100 verges mesurées avec mon rangefinder. On va essayer de le tirer à l'arc. C'est la première fois que je vais essayer de tirer à cette distance-là. Puis j'ai vu Tim Wells tirer au-dessus de 100 verges. C'est vraiment un archer exceptionnel. C'est la première fois que j'essaie cette distance-là avec mon arc. Je suis certain que l'arc est capable de le faire. C'est une question de s'habituer. On va le filmer. Puis on va voir si je suis capable de frapper ça à cette distance-là. Dans le bord des poumons, à 105 verges avec ma Bowtech. Très bon arc, bon setup. J'aime ça pousser mes limites, puis c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui. C'est des bons tests, ça. J'avais des doutes, je me demandais qu'est-ce que l'arc était capable de faire. Je sais. Pratiquer à une bonne distance, comme ça aussi, là, 60, 70 mètres, quand on pratique aussi loin que ça, ça nous facilite la tâche quand on veut tirer plus proche. Chevreuil qui sort à 20-25 verges, qui est une, ou 20-25 mètres, qui est une bonne distance pour chasser. Quand on est pratiqué à 60 puis 65, ça rend la chose beaucoup plus facile. C'est des tests aujourd'hui, très satisfait des résultats.